Salut tout le monde et bienvenue pour la troisième session sur Earthworld. Et comme vous voyez, je me suis fait une petite base. Tranquille, disons qu'il y a eu quelques améliorations. On va faire le tour vite fait. Donc bien sûr, pour cette troisième session, j'ai eu tous vos retours commentaires. Donc j'ai vu que la série plaisait à tout le monde. Donc ça fait très plaisir. Moi perso, j'adore le jeu. Donc comme vous voyez, je l'ai un petit peu poncé d'ailleurs. Donc cette fois-ci aussi, vous devriez me voir. Vous devriez avoir ma caméra. Si ça bug pas. Parce qu'en fait, la dernière fois, j'ai enregistré la session et... Bah, en fait, la caméra, elle a bugué et puis elle avait pas enregistré. Donc voilà, je vous montre l'intérieur de la base. Alors attendez, avant de vous montrer l'intérieur de la base, regardez ça. J'ai mis double couloir. Voilà, direct, on rentre. Alors attendez, on va refaire l'entrée. On va faire comme si vous avez rien vu. Voilà, on rentre, ça se passe comme ça. Tac, déjà, pan. On arrive, il y a une deuxième porte. Là, il y a un petit couloir. Donc en fait ça c'est plus une sécurité. J'ai mis double couloir, comme vous pouvez le voir, parce que comme ça s'il y a un petit malin qui veut me mettre un pain de C4, bah déjà il sera obligé d'en utiliser un autre, tout simplement. Donc ensuite, une fois qu'on rentre, je me suis installé une petite chaudière, histoire de faire fondre de la ferraille et tout. D'ailleurs je pense que, non j'allais dire, je pense que je vais mettre de la ferraille à fondre, mais ça sert à rien vu que j'ai pas fait d'essence encore. J'ai mis mon petit foyer ici, mon petit totem. Là j'ai toujours mes trois petites tables de craft. J'ai mis deux casiers de rangement. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai pas mal de trucs dedans. Un steak congelé. Vous voyez, en fait vu qu'on est dans la zone froide, bah les steaks ici ils pourrissent pas et ils congèlent. Mais après je pense qu'on peut les refaire cuire, je sais pas. Donc voilà, j'ai du bois, j'ai de la ficelle, j'ai du minerai rouge que j'ai pas encore fait fondre. J'ai de l'ambre. J'ai du réfrigérant brut, ça va nous servir à faire un frigo. Donc ça va être plutôt sympa. J'ai du cuir, du calcaire, de l'argile, j'ai un petit peu de tout. Franchement, disons que je suis pas malheureux. J'ai mis quoi dans le deuxième? Ok, un steak congelé. Bah, pff, le steak congelé déjà. C'est bien parce que les steaks ils pourrissent pas ici, ils congèlent. Donc c'est plutôt cool, vous voyez. Donc j'ai perdu contact avec Happy. Disons que pendant la dernière session, il a dû s'égarer dans les falaises lointaines. Et je ne l'ai pas revu depuis. Donc voilà. Et aujourd'hui, on va partir à l'aventure pour cette troisième session. Ça va être... Entendez? Ça tape à côté de moi là, ça tape. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un foyer sur moi. Et je vais partir à l'aventure. Je dois rejoindre un autre aventurier sur la route. Je pense que pour cette session, on va aller soit s'aventurer dans le désert, soit dans la neige, soit dans les deux. À voir. En tout cas, vous auriez compris qu'une session, en fait, moi, je joue une seule fois, mais par contre, je coupe cette session en plusieurs épisodes. Vous voyez? Donc c'est pour ça que la première fois, j'ai pas eu vos retours commentaires, mais là, du coup, j'ai eu tous vos retours. Et donc, y en a quelques-uns qui m'ont donné des conseils, ça c'est plutôt cool. Notamment, cette pioche rouge! Oui, cette pioche rouge, elle ne sert pas spécialement à farmer plus vite, mais elle sert à plus ramasser en fait. C'est ce que j'ai compris, il me semble. Je pense qu'on va partir à l'aventure et on va aller rejoindre le deuxième aventurier à qui j'ai donné rendez-vous. Et je pense qu'on va vivre une grande aventure ensemble. On va partir à l'exploration. Ouais, tu m'entends, survivant? Je t'entends. Ouais. Ok, c'est cool. Il y a peut-être un troisième survivant qui va venir nous rejoindre. C'est quoi son nom? Bah en fait, c'est V-Time. C'est le troisième survivant en fait, si vous voulez, c'est celui avec qui j'ai commencé à construire cette base. Et en fait, il va sûrement venir nous rejoindre. Putain, je me pèle les miches déjà. T'es où là? Je suis à la sphère. T'as la sphère? Ouais, mais je peux te rejoindre parce que je sais où t'habites. Ouais. Attends, merde. Bon bah viens me rejoindre parce qu'en fait, je me pèle les miches là. Je vais à ma base, je vais aller faire un petit feu et Yo, bah il est là. Yo, V-Time. Yo, ça va et toi? J'étais en train de me peler les miches là. Mais t'as une doudoune toi déjà? Bah bien sûr que j'ai une doudoune. Bah j'ai toujours eu ma doudoune. Mais là j'ai entendu dans Skype là, on peut faire une doudoune. Un manteau ou un pull que t'as? Moi c'est une doudoune, V-Time c'est un double t-shirt qu'il a. C'est un pull. Je vais essayer de me réchauffer là parce que c'est chaud. Tu vois, je t'aurais bien fait une doudoune d'Adam, mais comme t'en as déjà une. V-Time c'est pas contre toi, mais tu vois, j'ai obligé de troquer mes points de Jesse contre de l'essence. Tu rigoles? Ouais, c'est un troqueur lui. J'ai déjà gagné 800 barils. T'es où? T'es par là là ou... Ou t'es dans le coin là? Comment que ça se passe? Je suis entre une grosse arche en pierre. Tu vois, ça fait un genre de... Ah, il est au spawn. T'es au spawn? Tu vois, ça fait une arche. Oh, comment ça s'appelle? Ouais, un bah un arc de triomphe en pierre. Ouais, t'es au point de spawn. Vous savez où c'est l'arc de triomphe en pierre? Ouais, ouais, bah ouais, t'inquiète, ouais. Vous pouvez me rejoindre parce que moi je trouve. Ouais, que ouais. C'est par là, je crois. Bah, il faut passer les conteneurs là. Ouais, bah les conteneurs en fait, du coup, c'est tout droit. Maintenant, je commence à connaître la map un petit peu vite fait, donc ça va.
Vous connaissez... Disons que c'est pas trop mal. Vous êtes plus à ta maison, là? Oh, du calcaire. Non, non, là, on part à ta rencontre. Ça y est, j'ai froid. Ah, y'a un mec, là. Il est où? Là, à ta droite. À ma droite. À ta gauche, du coup, à ta gauche. À ma gauche. Tu le vois c'est... courir, là-haut? C'est pas toi qui cours, ça? Moi, j'ai le bonnet orange sur la tête et y en a un là-haut, là. Regarde, il est en train de casser du calcaire. Ouais, ouais, je l'entends, ouais. Ouais, vas-y, on va aller le voir. Vas-y. Salut! Salut! Yo, Zach! Yo, Zach! Ça va, tranquille? Fais gaffe, tu te fais charger par une biche! Putain, saloperie! Ouais, ça va, tranquille? Ça va, là, ça va! Ouais, tu cherches du farm un peu par là? Je cherche une pierre de. Je sais plus quoi, une pierre de la terre pour faire la boussole, mais j'en trouve pas! Ah, un aimant! Ouais, ouais, ouais! Voilà. Franchement, je sais pas où ça se trouve ça. Moi j'en ai eu deux par chance, mais franchement c'est difficile à voir. Bah, ouais. J'ai lu sur internet que ça venait des silex ou du minage, mais je mine depuis tout à l'heure, j'ai que dalle. Mais c'est ça, mais en fait, si tu veux, tu les as par chance. Faut ramasser les pierres par terre, ramasse les pierres par terre pour essayer d'avoir des aimants. Ouais, c'est ça, voilà. C'est pas en cassant. Voilà, c'est ce que je vais faire. C'est pas spécialement en cassant les pierres, tu vois. Ok, merci. Ok. A plus tard, ciao, bonne route, t'es là Val? Ouais ouais, je suis là, je te vois, je te rejoins. Ouais, yes. Vas-y, on va aller go les conteneurs, c'est par là les conteneurs hein. Ouais, c'est là-haut, là. Tu vois le... Bah c'est tout droit. Ouais ouais. Moi je prends le bois au passage hein. Ouais que, ouais, là, bah faut moi... faut qu'on fasse la planche à mort. Je prends tout au passage hein. Moi j'avance vers la sphère là, j'avance vers la sphère. Comme d'hab. Bah normalement t'inquiète là, on n'est pas trop loin de la sphère. Si tu tombes sur un genre de moulin comme ça, arrête-toi. Ah mais je connais, t'inquiète, je connais ça. Ouais ouais, bah tu vois le, en fait il y a le moulin à côté des conteneurs. Au pire nous on n'est pas loin tu vois. Bon écoute Val. Ouais. Je t'explique le topo là. Vas-y. On prépare un grand voyage avec Cache-Cache là. Ah ouais, on va où? Disons que ça va être un long périple. En fait on va aller à sa base. Déjà ouais. On va aller voir comment que c'est. Ouais. Et puis bah après, on ira peut-être faire un grand voyage dans la neige. J'ai pas de doudoune. T'inquiète, il a ce qu'il faut. Il a ce qu'il faut, Cache-Cache. Ah mais bah, pas besoin de doudoune, t'inquiète, on aura un feu. Ouais bah avec un feu, on va s'arrêter tous les 2 mètres. Hein. Ah c'est vrai que j'ai un double t-shirt. Putain, tu me fais de la peine en fait. Putain merde. Mais t'as une doudoune, tu m'as dit. Ah, il est là. Conteneur, à droite, Val, là. Ah, t'as combien de potes ici, là? Bah, tu sais quoi, t'as de la chance, t'as de la chance. Si tu veux, je te l'échange contre une orange pourrie, ça fera déjà ça pour de l'essence. Va me chercher 400 bois, je te la fais, ta doudoune. 400 bois? Ah, putain, 400 bois pour une doudoune. Ouais, non, et n'empêche, ça vaut, hein. Ouais, c'est ça vaut, bah attends. Ah ouais, Je peux c'est chaud à faire une doudoune, hein. Attends, y a moyen de faire un crédit ou de payer en plusieurs fois, hein. T'es en train de me dire ça vaut? Et moi, tout à l'heure, tu sais pourquoi 20 potes ici, qu'est-ce qu'on m'a donné? Qu'est-ce qu'on t'a donné? 500 barils d'essence. Ah, oh, l'essence, ça va, tranquille, on l'essence. Fait coûter, on se fait coûter. 500 barils. L'essence, tranquille. Tu prends des fruits, tu prends de la cendre. J'ai 16 pots de Yeti. Il m'en manque 4 pour te faire un manteau. Ah, j'en ai 3. T'as 3 pots de Yeti là? Non, c'est comment ça s'appelle ce qu'on a. Squatch Pelt. Ouais, c'est pas ça? Ouais, ouais, c'est les pots de Yeti. On en a 3, mais elles sont à la base quoi. Ouais, mais attends, c'est chaud, hein, franchement. Même si tu tues 20 Yeti, t'es pas sûr d'avoir 20 Squatch Pelt quoi, tu vois. C'est ça le délire. Ouais. Ah non, mais des fois tu t'en tues un, t'en as 8. Attends, non, elle est où la sphère, la merde? Des fois t'en tues un, t'en as 8. Je suis au conteneur et je suis à côté de la sphère. C'est les deux en fait, comme vous voulez. Vous soyez content, on soit la sphère. Attends, est-ce que à tes conteneurs t'as un gros truc avec une croix médicale dessus? Non, mais t'as dit où le moulin? Il y a le moulin. Au moulin, vas-y, on va au moulin. Moulin. Ah ouais, c'est vous sur la route? C'est vous sur la route? Ouais, ouais. On ouais, c'est nous. Un bonnet orange là. Vas-y, je saute là. Saute? Ouais, c'est nous. C'est bon. Vous tirez dessus, t'as dit non? T'entendais pas ça? Ah ouais, là j'entends là. Ouais, je l'avais pas entendu. Putain, hé, j'ai laissé mes munitions à la base, moi les gars. Tu veux qu'on y retourne vite fait, comme ça on récupère les 3 pots de Yeti? Non, viens, les pots de Yeti, on va les avoir. Vas-y, les munitions, viens, on va les faire. Ouais, vas-y. Tu sais que nous, pour faire ça, la dernière fois qu'on a joué, on n'en parlait pas aussi facilement. Viens, vite fait, on va faire des munitions pénales. Ouais, c'est clair, ouais. Vite fait, tranquille. Attends, laisse tomber, toi. Ça fait pas longtemps que je joue, moi longtemps que vous. Attendez, y a un Yeti, là, bouge pas, je me le fais. 20 heures de farm pour se crafter un slip. Vous pouvez vous pousser, les gars, je vais taper le Yeti. C'est bon. Non, poussez-vous, vous êtes en plein face de moi, regarde. T'es où? Ah, tu tires? Ouais. Ah non, je vais faire quoi, à la hache ou quoi? Je sais pas, peut-être. Putain, mais t'es malade parce que moi, j'ai pas. Merde. Oh, je suis mort! Oh, je suis mort! Pourquoi t'as tiré dessus? Je pouvais me le faire solo. Vas-y, prenez mon stuff! Prends mon stuff, Val! S'il te plaît. J'arrive, de toute façon, je suis à côté là. Putain, attends. Attends, bah du coup. Je vais crever. Cours, s'il te plaît, cours. Non, vas-y, cours. Vas-y, du coup, je vais prendre les munitions dans l'armoire. Gèle là, j'ai 15 secondes. Hein. Ça commence à être chaud là quand même là. J'arrive. Viens. Si j'arrive à retrouver la route.
Mais je pense que ça va le faire. Faut que tu t'écartes de la route, faut que tu t'écartes de la route. Ouais, j'arrive, je récupère juste son stuff, j'ai fini. Eh les gars, je suis au conteneur là. Bah on est juste en face. Sur la route ? Côté route ou côté champ ? Non, non, bah tu verras le feu normalement. Ouais. Côté ouais. Champ là. T'es mort, ouais, côté droite. Ouais, yes, je vous vois. J'arrive. Ah, putain, j'ai la dalle là. Faire un petit steak. C'est pas vous, c'est Zach, putain. Salut, Zach. Salut, Zach. Salut. Ah bah ouais, je t'ai vu tout à l'heure, tranquille. Ouais, je t'ai pris pour quelqu'un d'autre en fait. Bah ouais, croise beaucoup de mecs sur le serveur. Ouais ouais, t'as pas vu de Pecno faire un feu dans le coin là? Bah non, par moi non. Ok, bon bah je te laisse, vas-y à plus tard. Salut. Tu peux éteindre ton feu, hein, merci. Putain merde, en fait je croyais que c'était vous me dites vous faites un feu en face des conteneurs, j'y vais moi. C'est du minerai rouge, y'en a... Attends, vous en avez du minerai rouge ou pas vous? Ouais mais je l'ai pas fait fondre. J'en ai pas sur moi là. On en a à la base, mais on l'a pas fait fondre encore. Eh les gars, il est où votre feu là? Ah bah c'est vous là-bas. Sautez là. Il y a plus de feu là. T'inquiète, t'inquiète. Ouais, yes, c'est bon, je vous vois, ouais, yes, c'est bon. Faut de la doudoune. T'es le pire aventurier du monde toi. Ouais bah moi je suis un vrai survivor, tu vois. Bon, c'est quoi le plan en cache-cache là? On va à ta base ou c'était quoi là? Ouais, ma base, ouais, ouais. Faut y aller. Elle est loin? Ouais, elle est loin. Il y a Yazak là-bas 2500 mètres là-haut. 2 km5, ouais, je suis mort avant. Vas-y. Non, t'inquiète. T'inquiète pas, tu vas avoir chaud dans le désert. J'aurais dû prendre la crème solaire d'ailleurs, putain. Oh, on va dans le désert? Ouais, j'ai pas pris la Nivea, ouais. Ah, mais j'ai pas de cheveux, moi. Mais moi non plus, j'ai pas de cheveux. On va dans le désert de neige. T'inquiète. On va dans le désert de neige. Ouais, eh, mais attends, il a pas de doudoune. Il va se peler les miches. On va aller en faire une. Normal, on va dans le désert de neige, comme ça, quoi. Eh, t'as un véhicule sinon? Ouais, 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 motocross. Hein. Motocross menteur. Moi j'ai une fusée, moi. Hey, j'ai une fusée rangée dans ma base. Hey, je depuis hier, elle me dit quoi, t'as un véhicule? Bah, t'as vu comme t'es équipé, mon gars? Bah, je depuis hier. Attends, bouge pas, y'a. Vas-y, vas-y, on se le fait. Pas au fusil, pas au fusil. À l'arc. Non, mais t'es fou, vas-y, laisse-moi tirer en premier, s'il te plaît. Mais t'es malade, mais moi je le shoot à l'arc. Non, vas-y, laisse-moi tirer en premier. Bah, vas-y. Si la tête, ça va faire un coup critique. J'ai juste à lui mettre 3 balles dans la tête et il est mort. Moi je le shoot à l'arc, moi les Yeti, t'inquiète. J'en ai tué du Yeti. Oh, j'en ai tué. Ouais, GG la tête. J'ai loupé, ouais. Encore un peu loupé. Cours. Ah, t'inquiète, c'est en train de recharger ça. Tu l'as touché là? Ouais. Ouais. Oh le bâtard! Je me casse! T'as vu, il le touche plus. Attends. Je me casse! Oh, vas-y, aide-moi. Aidez-moi les gars. Alors à l'arc, on lui dit à l'arc. Aidez-moi. Ouais mais attends, la dernière fois qu'on a chassé un Yeti à l'arc, c'est de la graisse en plus. On était 3. Calcaire, ça se prend ça, hein. Bah ouais. Regarde, cache-cache, il en a tellement de trop dans sa base qu'il fait même plus gaffe. Il en prend même plus lui. Il voit un bout de bois, il s'arrête même plus, ce cochon. Il en a trop lui. S'il te plaît, je vais te montrer un truc, mais si tu peux éviter de la mettre sur ta vidéo, parce que sinon, tout le monde va venir ici et... C'est un totem que j'ai planqué, tu vois. Ah ouais. Bon, on coupera peut-être ce passage alors. À voir. On va voir. Ce sera peut-être enfin dans le bonus. Allez savoir. Il a planqué un totem par là, le cochon. Ah ouais. Et il fait des petites manigances, hein, tranquille. Oh, ce cochon, il a planqué un totem. Tu veux pas faire un petit feu là au passage, les gars? Ok, d'accord. Vous êtes tranquille. Bon. Tiens, je te rafais, bouge pas. C'est quoi? C'est genre, ouais, c'est un petit point de spawn pour toi, quoi. Ouais, parce qu'ici, il y a du bois et compagnie, donc du coup. Putain, j'ai même pas de steak sur moi, quoi, j'ai rien. Si, mais j'ai ton stuff, hein. Tiens. Ah bah ouais, t'as mon stuff. Oh le cochon. C'est vrai, ça. Ouais, je pensais que t'allais oublier, tu vois. Bah ouais, mais j'avais oublié. J'ai ton foyer aussi. Tiens, j'ai deux steaks. Les steaks, on va s'en faire, les mecs. Vas-y, attends, Vas-y. Putain, mais t'es un malade, toi, tu tires tout le temps au fusil. Bah oui. Bah, il a faim. Je peux m'en faire autant. J'ai vu ça. Ok. Et regarde ce que j'y ai mis à l'arc. Je suis pas sûr que c'est toi qui l'ai touché. Et dire la même chose. Vas-y. Oh, hey, tu m'as tiré c'est dessus. Pas toi, ouais, ouais, c'est toi, ouais. Merde. Du coup, parce que j'ai mis un arc, il m'a tiré dessus, l'enfoiré. Ouais, mais t'es passé au même moment.
T'es passé au même moment. Et je vois un oreille blanc à cause de toi. Je t'ai venu pour la viande. Putain, merde. Attends, je vais aller chercher mon steak. C'est cuit, Vol ? Ouais. Ouais ? Ouais, à table. T'as mis la table ? Moi aussi, j'ai besoin de manger. Ah, c'est... ça, c'est un bon cuistot, ça. C'est bon. Bah, vas-y, hein, prends-en. Hein. Attends, bouge pas, faut que c'est comme toi qui as fait la cuisine. Ouais, vas-y, connais. C'est bon, ça. Qui c'est que donc t'as inscrit sur ton machin ? Cache-cache. Je me fais un petit point de spawn dessus, va. C'est on sait fait. Jamais, tu vois. Mais comme ça, voilà. Voilà, comme ça, tu vois. Tranquille. Je réapparais par là. Oh, c'est bon, hein, pour le feu. Ouais, ouais, moi, nickel. Ouais, moi aussi, pareil. Il a acquis le foyer, là. C'est bon. Ouais, vas-y. Mais tout est à lui, en fait. Vas-y, on va courir. Faut aller direction le désert. Ouais, comme ça, le je vais crever de chaud. Attends, tiens, on y est. On va rentrer. Tu vas arriver chez moi dans 900... Ouais. T'inquiète. 1000 mètres, on va dire. Oui. Ça fait chaud chez Cache-Cache. Ouais, ça fait chaud chez moi. Enfin, je sais pas, je dis ça. J'y ai pas encore été. Ouais, on va aller voir ça. Il y a Nietzsche à l'entrée là, donc ça serait cool qu'il donne des pots lui aussi. On va aller visiter ça. On va aller péter la base à Cache-Cache. Ouais, je pense que... On va aller crafter du C4 chez lui. Il faut qu'elle va atterrir sur YouTube ma base, elle va pas durer longtemps. Hein? Il y a des chances. Il y a des chances. Putain. Voilà. Petit bonus, repérez bien la base de Cache-Cache. Ah bah les gars, je vous dis d'avance, hein. je vais changer. C'est un petit bonus. Ça commence à faire jour, c'est bon ça. Ouais, ça commence à faire froid aussi là. Ouais, c'est non, tranquille. Et n'empêche, dans ce jeu, si t'as pas de doudoune, t'es une victime. Hein. Ouais. Bah ouais. Bah ça dépend où tu te trouves. Ouais. On va t'appeler victime. Ouais, ça ressemble en plus. Victime. Victime. Alors attends, il y a un Yeti, s'il faut laisser spawn. En fait, si vous voulez, ça spawn pas directement. Ça spawn petit à petit en fait. Une fois que vous êtes dans l'endroit, j'habite pas loin, j'habite à côté. C'est ta baraque là ? Non. J'habite, non, c'est pas la mienne. Mais il y a Yeti qui va spawn. On va attendre 5-6 secondes, et puis il y a Yeti qui va spawn. Ouais. Bah, sérieux, putain, il connaît déjà toutes les ruses du jeu lui. Il y a un Yeti qui va spawn dans 5-6 secondes. Non, j'ai vu parce que quand j'étais dans le désert, il n'y avait plus rien. Je me suis dit, merde, c'est quelqu'un qui est venu farmer ou quoi. Mais non, en fait, il n'y a personne qui était venu farmer. Ça commence à cailler, les gars. Tiens, voilà, tu vois, il a spawn en face là-haut. Après, ouais, vas-y. On se le fait. On le laisse, les gars. Attends, on va se laisser s'arrêter. Oh. Ah non, mais moi, je suis. On l'appelle Haro. Moi, on m'appelle Robin des Bois, mon dieu. Eh ouais, je rigole pas. Regarde la biche là, j'y mets headshot d'ici. Ouais, bah. Oh, bien joué. Oh, bien joué. Ah, je t'ai dit, on m'appelle Robin des Bois, mon vieux. T'as ramassé ce qu'il y a dessus ou quoi ? Fais gaffe. Attends, ouais, j'ai ramassé 3 squatch pelts. C'est ça, de tirer au fusil aussi, tu rameutes toute la forêt, tu vois. C'est ça qui est bon, comme ça on a des viandes et tout. Ouais, bah ouais. Ouais, j'ai ramassé 3 squatch pelts, putain, je vais y arriver, mon vieux. 3 ? C'est dur à dire. Attends, tu peux le taper l'autre là qui me crache dessus. Il est où ? Ouais, vas-y, ouais. C'est bon, il se barre. C'est se barre. Oh, bien joué. On l'appelle sniper. Arrow. Ah ouais. Ah, des fois j'en ai rien à foutre de bien viser ou pas. Alors t'en as combien ? T'en as 3, tu m'as dit ? J'en ai 3, ouais. On va dire, on va monter à ma maison, puis on va redescendre. Il va réapparaître. C'est quoi le foyer ? C'est à nous, Val ? C'est à vous. Ouais, c'est le tien en fait. Ouais, j'ai oublié de te le dire, ouais. Il est là. Ok, ouais, bah j'ai vu ça, ouais. C'est normal. Le stress. Oui, on en a plein, on est blindé. On est blindé de foyers, ouais, tu parles. On a 3 foyers. Vite fait, quoi. Eh, t'as fermé la porte ? Bah, c'est toi qui es parti en dernier. Putain, je sais plus si j'ai fermé la clé, moi. Eh, mais ça, IRL, quand je pars de chez moi, c'est pareil. Hein. Je sais plus si j'ai fermé la porte à clé à chaque fois. Ah ouais, hein. Eh, tu sais que ça m'est déjà arrivé, en vrai, hein, je parle IRL, hein, de sortir de chez moi, de faire 2-3 km en voiture et de faire demi-tour en croyant que j'avais pas fermé la clé. Mais j'avais fermé la clé, ouais. Non, je t'assure. La bagnole, c'est pareil. Attends, sur les parkings. La bagnole, c'est pareil. Ouais, est-ce que j'ai fermé la clé? Et du coup, dans le jeu, c'est pareil. Je sais plus si j'ai fermé la clé. Je sais pas, les mecs. Elle est buggée, la pierre, là. C'est moi qui... Avec moi, le poids de ma tête, je la soulève. Grave. À mort. Eh, au moins, t'es bien là-dessous, t'es à l'abri et tout. T'as la vache. Putain, qu'est-ce qu'ils ont, les pierres? Ils sont buggés ou quoi ici? Ouais, bah pas qu'elles tombent maintenant.
Bah, il faudrait pas qu'elle tombe sur la gueule, celle-là, mon vieux. Tu peux faire ta maison autour, et y'a pas besoin de toi. Ouais, c'est clair. Ah, c'est ça qu'ils nous font, on n'a pas de toit, nous. Ouais, ouais. Ouais, on commence à construire notre petite base ici, là. Ouais, vous pouvez venir ici. Vous savez, tu peux même te mettre où je suis, te montrer déjà tous les côtés de ma maison. Attends, on est encore dans le décor neige, un peu, là. Enfin, neige. Dans le décor froid, mais on va dire. À droite, tu vois le désert, là-haut. Ah ouais, yes. Regardez les mecs. J'avais même pas fait gaffe. Là, ça s'appelle le côté. Ça s'appelle le côté. Tu peux avoir du C4, mais tu passeras pas, quoi. Ah ouais. Donc, on va faire le tour. Parce que du coup, ici, on peut pas passer. Okay. Et t'as fait ça tout seul? Ouais, ouais. Attends, c'est bon, ça. Je sais pas, faut faire le tour de la montagne. Tu vois, c'est ça, en fait. C'est que les mecs sont obligés de faire le tour. Ou soit ils attaquent d'un côté, mais s'ils attaquent des deux côtés en même temps, ça va être chaud pour eux, quoi. Putain, l'autre, voilà. Il est carrément venu habiter dans les montagnes et tout. Ah ouais, t'es bien, toi, t'as l'entrée du désert et tout. Putain, t'es pas mal. Vas-y, rentrez. L'entrée de tous les déserts. Le désert de neige est en face de moi, vous allez voir, à 3 minutes de marche, même pas. Putain, mais t'es bien, ici. Sinon, t'aurais pu passer un coup de balai, cochon, ouais. Hein. J'ai fermé de chaque côté, donc. C'est ça, là. Là, c'est fermé, là, c'est fermé. C'est quoi ça? Là, c'est ça. Là, c'est... Mais... Attends, ramasse pas. Perceuse. Là, c'est une perceuse, ouais. Ramassez pas les fruits. Eh, justement, je voulais goûter une orange du désert, tu vois. Elles ont l'air bien juteuses. Ce crevard, ramassez pas les fruits, il a fait récolte là. Il partagerait pas. Hein. C'est pas il faudrait ça, pas c'est goûter pour... ces oranges. Hein. C'est pour les graines. Tiens, je m'en fous, les oranges, c'est pour les graines. J'ai replanté. Ouais, t'es bien là, t'as mis la perceuse et tout. Non, mais je vais pas en mettre qu'une, je vais en mettre plusieurs. Je vais refaire une là directement là. Il se fait une usine à côté d'un potager. Non, putain. Et c'est ça qu'il nous faut dans la base, Val là. Une perceuse, ouais. Bah ouais, disons que j'en avais une, mais. Mais déjà, il nous faudrait une base un peu comme lui avec un jardin. Allez, donc. On s'est fait péter notre perceuse. Oui, parce que ça, je vous l'ai pas dit, mais on s'est fait péter notre perceuse. En fait, on s'est carrément fait péter la base pendant qu'on était déco avec Happy et. C'était la merde. C'était la merde. Du coup, on a dû la consolider avec Val. C'était la mer noire. Non, mais on s'est bien refait. Putain, bien, tu t'es fait une petite mezzaline et tout. Ouais, tranquille. C'est clair. Ah, t'es bien, toi, il s'est fait des fenêtres et tout. Les gars. Eh, franchement, il est refait, t'es refait ici là. C'est ça pour tirer sur les gens quand ils veulent passer, c'est des montants. Putain, t'es bien là. Putain, comment que t'es refait ici? Je me suis. Eh, franchement, j'ai l'impression que nous on a fait de la merde, Val, là, un peu, non? Ouais, ben c'est un peu ça. En sachant qu'il est tout seul, quoi. Putain, comment que t'es bien, toi? T'as mon armoire, regardez les armoires dedans. Regardez. Ce cochon, il s'est fait des portes partout et tout. Oh, qu'est-ce qu'il a dans l'armoire? Ah ouais. Oh, dis donc, la crème solaire. Eh, dis donc, toi, t'as été dans le désert, cochon. Hein. Oh, t'as de l'ultranium et tout, laisse tomber. C'est ça qu'il nous faut, là. Regarde. Oh, les dynamites. Non, je la laisse. Mais t'as combien de dynamites? Oh, c'est quoi, 15, ça 20, 25, 30, 35. C'est quoi, Arctic Pelt? Oh, t'as été dans la neige. C'est un Yeti des neiges, ça. Ouais. Non, c'est un lapin des neiges. Un lapin des neiges. Oh, de la dynamite. Oh. Yes. Putain, comme t'es bien. Ouais, t'es bien, hein. Ouais, là, mon petit fourneau. Attends, bouge pas, juste un truc. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire. Et regarde les minerais rouges là-dedans. Je vais en mettre là. Je viens d'aller farmer. Regarde tous les minerais rouges. Regarde tous les minerais rouges que je viens de farmer. Tu vois ce que t'as farmé? J'en avais 176 sur moi. Ah, pas mal. Regarde les graisses, je vais les mettre en bas là. Tu vois les graisses? Dans l'armoire de gauche. L'armoire de gauche? Ouais, je vais le mettre à côté de la pierre verte là. Tout ce que j'ai fait là. 17, ouais. Putain, ah ouais. Non, regarde là, je vais remettre là. Regarde. T'es bien, ouais. Où regarde, ça? Dans l'armoire de gauche, j'en ai remis là. 255, 86. Ouais, ouais. Et c'est tu sais exactement. C'est pour ça que je tire tout le temps. Regarde, avec un bâton rouge là, le monde d'année. Mais de la graisse, j'en ai pas mal aussi. Ouais, avec un bâton rouge et deux graisses, t'as 10 balles. Là, que je m'en fous. Ah bah ouais. Tiens, si vous les voulez, tiens d'ailleurs, je vous les donne ça. Ça deux. J'en ai pas besoin des poules là que j'ai jetées. Ah bah vas-y, bah je les prends moi. Et tu connais exactement le nombre de trucs que t'as là-dedans? Du coup, okay. Si j'en prends une ou deux, ça se voit pas. Non mais attends, j'ai déjà lui. Regarde, le mec, tu sais, je vais déjà lui crafter une doudoune et il commence déjà à négocier. Ouah, toute l'essence que t'as. Ah ouais, l'essence, mec. Ouais, putain. Et franchement, GG, 1, 2, 3, 4 bâtons de dynamite. Putain, tu t'es mis bien, toi. 4 bâtons de dynamite, tu rigoles ou quoi? Bah non, fois 5. Hein? Ah, fois 5, 5 ouais. Ça fait. Attends, ça fait combien? 24. Ça fait 5, 10, 15, 20. 20 bâtons de dynamite. 25. Tu t'es mis bien. 20, non, je suis un teubé. Eh, mais vous avez enlevé des bâtons de dynamite, là? Bah, t'es malade, toi! Si. Tu veux rien toucher, moi! Si. J'ai rien touché, moi! T'es malade, toi!
T'avais ça, mon vieux, t'avais rien d'autre. Bien sûr que. Tu sais, comment je peux savoir que j'en avais jamais autre chose? T'es comment? Vitamine, repose. Parce qu'il y avait un chiffre impair dedans. Allez, vas-y, va. Allez, va. Eh, tu pourrais au moins m'enfiler une, juste un bâton. Juste c'est un pas bâton. Moi, les gars. Tout le monde va en avoir après, on va aller dans la neige. Tout le monde va en avoir. Vas-y, on vas-y. Rocher. Regarde-le. Je crois que je sais pas en plus. Les gars, je laisse ici dans aïe, aïe, aïe. Je vais servir les mecs. Non, non, franchement, non, non. Non, eh. J'ai rien pris. Regardez, j'ai vidéo, rien pris. On verra dans ta vidéo. Bah non, bah t'inquiète, j'ai rien pris. Bon, non, t'as pas ça, tu peux le voir. Je vais recrafter un truc, je crafte une perceuse, après on y va. Et après je crafte des bâtons de dynamite, on y va. Vas-y, va. Tranquille. Ça va être marrant, vous allez voir. Et on va te crafter ta doudoune aussi, en passant en purée, il y a des choses à crafter là. Alors attends, bouge pas ta doudoune, qu'est-ce qu'il faut? Ouais, Val, il a besoin d'une doudoune aussi. Au pire, attends, tu me craftes une doudoune rouge, et moi je passe ma grise à Val, non, tu vois. Pas, parce qu'il faut 40 bleus pour la doudoune rouge, j'ai pas 40 bleus. Hein? Va y récupérer mes vieilles chaussures et je prends les neufs. Je t'essaye de me niquer là en fait. Un petit peu. Non bah non. Non non t'inquiète. Je veux pas parce qu'il faut 40 bleus. 40 il te faut quoi? 40 bleus. 40. J'en ai 3 sur moi. Ouais je suis loin. Des minerais bleus. T'as des minerais bleus sur toi? Non non j'ai du minerai rouge là. Bouge pas on va faire la doudoune à... Tiens, prends ta doudoune. Attends. Non, elle est là-dedans, la doudoune. Elle est en train de se faire. Par contre, je vais cuire un steak vite fait. Merde, avec l'écorce, on peut pas faire de lumière. Ok. Il y a des charbons normalement, si tu veux. Ah bah, j'ai 4 charbons. Je te laisse mon t-shirt là, mon double t-shirt. Eh les mecs, c'est bon, j'ai remis une deuxième perceuse en route. Qu'est-ce qu'il y a? Je te le mets dans ton armoire. Oh putain, tu t'es mis bien toi. Putain, il a mis une deuxième perceuse. J'ai pas ton t-shirt, t'es sérieux quoi? Eh vas-y là, faut qu'on fasse quelque chose, voilà. Regarde, il a deux perceuses là, on a rien nous. Bah il peut enfiler une, non? Non, non, bah non, faut qu'on aille farmer. Ouais, pas le choix. Alors bouge pas, attends, alors ce qu'on va faire... On avait de toute façon, on va partir en excursion après là. Les mecs, on va être full dans le jeu, on aura rien fait tout seul. Quoi. Non, 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 justement, c'est c'est nul de faire ça. Ouais, je suis d'accord, tiens. Attends, je vais voir ce que je peux me crafter. Y'en un avait peu, combien moi. 15, je crois. En munitions, j'ai quoi? J'en ai 30. Moi j'ai 37 flèches. Bouge pas donc attends, je vais faire les dynamites là, les dynamites. Ah ouais, mais on n'a pas de fer formé en fait. Attends, vas-y, tu peux m'ouvrir s'il te plaît, Romain? Tu veux faire quoi? Dis-moi, je te passe aussi mon matériel. Tu veux quoi? Non, non, mais je vais juste aller voir comme ça, comment que c'est fait. Je vais aller crafter en même temps en 2-2 là. Ouais, moi aussi j'ai besoin de craft un peu. Pas là. Crafter, mais putain, faut que j'arrête de farmer. Attends, on reste là hein. Vas-y, j'ai on est là. Hein. Par contre, je peux pas fermer là, regarde. Oh, je laisse ouvert, t'inquiète. Ouais, bah t'aères un peu. Jamais personne qui a trouvé donc. T'aères un petit peu. Attends, t'as de la ressource ici là? Ouais, derrière, ouais, y'a de la ressource. Vous voulez quoi comme ressource hein? Bah, moi, il m'aurait fallu de la pierre, tu vois. Mm. Pour faire des flèches. Ah, des silex. J'en ai 50, ouais. Je m'en sers pas. Tiens, prends-les. T'en as 50? Je m'en sers pas de cette cochonnerie, c'est de la merde. Là. Tiens. Bon, bah écoute. T'es où là? Reviens à ma porte. Bah, allons chercher les silex hein. Je les ai mis dans mon inventaire ou quoi? Putain, t'es bien caché, cochon. Hein. Ouais. T'es bien caché en vrai. Hein. Ouais, faut se cacher comme ça. Ouais, ouais, franchement, t'es bien caché. Eh, nous, on est 3 vues, Val. Tiens. Ah bon, on est en haut d'une colline? Tiens, j'en ai 75. Non, mais merde, vas-y, passe. Il y en a 75 en fait. Attends, bouge pas. On est 3 vues en fait. Ah, c'est ça, vous êtes 3 vues, sérieux? C'est nimp. Tout le monde peut vous shooter. Merde, je peux pas fermer la porte. Bon, bah, si t'as un peu. Cuir qui est par terre là. J'ai lancé des pierres par terre. Y'a du cuir par terre? Ouais, je l'ai pris, il y en avait 17. Ah, du cuir, je m'en fous du cuir. C'est qui a mis 255 bois là dans la machine? Dans quelle machine? Non, pas moi. Ah là, c'est moi. C'est moi toi? Qui. De toute façon, attends, vous savez ce que vous mettez dedans? T'inquiète. C'est qui? Non, c'est peut-être moi. Non, c'est peut-être toi. Ouais, j'ai tout pris l'enfoiré. Oh, arrête, t'es malade. J'en ai pris un petit peu. Quoi? J'en ai pris un petit peu. J'ai pris un tout petit peu. J'ai vu ce que t'as pris, hein. J'étais dedans. Ça sert à faire des dynamites, ça sert à faire des dynamites. Vas-y, regarde. Eh, regarde, j'ai rajouté avec le bois cache-cache. On a enlevé quoi? Ouais, t'as rien rajouté, ouais. Si, il l'a mis dans la machine. De quoi? Il y avait déjà 250, je crois, dedans. Ouais, mais il a mis 197, là. Il a remis après avoir fait ses flèches. Non, j'ai remis du bois. Ah, t'as fait tes flèches. Ah, ok. Ouais, bah. Mais t'en as pris des flèches, Val? Bah non, t'as tout pris. Mais pourquoi t'as fait des flèches? Je comprends pas, t'as un fusil. Mais tu me dis, je te fais des munitions. Ouais, mais attends, un fusil, le fusil, ça fait du bruit, mon vieux. Et alors? Tiens, merci. Fusil, ça fait trop de bruit. Mais on va pas tuer les lapins à l'arc. Hein. Attends, on va tuer au fusil. Alors attends, bouge pas. L'arc, c'est le sniper, c'est le Robin des bois, Dirt World.
Dynamite. Mais t'as un arc rouge, toi. Ah oui, ah bah moi j'ai un arc de chasse, moi, c'est un arc de chasse. Hein. Ta pioche, elle est quelle couleur? Rouge. Non, mais attends, regarde, viens voir, regarde. On va voir si on peut te faire un arc de chasse, ouais. Regarde. Attends, tu vas... Je vais faire la dynamite, attends. Vas-y. Oh, tu vas dans armes, arc de chasse. Attends, normalement j'avais ce qu'il faut. Normalement tu dois avoir de l'ambre sur toi. Enfoiré, tu viens de prendre le truc encore. Tu viens encore de prendre des ressources, là. J'ai pris quoi? Le bois qu'il y avait dedans. Le bois? Ah merde. Merde, ah, c'était pas voulu, ouais, c'est machinalement. Tiens. C'est machinalement. C'est machinalement. T'as 5 ans. Non, il en faut 5. Il en faut 5 de l'ambre. J'en ai qu'un, bon bah vas-y. Non, mais en fait on a rien. Vas-y, laisse tomber, on a rien. Bah oui, on a même pas de. J'ai pas pris de ressources, c'est bon. On va péter des mines. Pourquoi vous voulez des armes? Allez, vas-y. Il te faut quoi? 10 bois. Ah, ça va en fait, pour faire de la dynamite, on aurait pu en faire. Ah, mais t'aurais pété quoi avec? Attends, ah bah ouais, putain. Ça va, franchement, il faut pas grand chose pour faire de la dynamite en fait. Non, je pensais qu'il fallait plus que ça. Tiens, ramasse-les, je les ai jetés là. J'en prends pas de ça. Ça, j'en veux ça. Genre, j'en prends pas, c'est de la merde, attends. Jolat, il ramasse tout. Il en a trop, franchement, dans son inventaire, cache-cache, il en a trop. J'ai 40 pots de jetty, je vais les échanger bientôt. Vas-y, ouais, faut faire du troc un peu. Et à tout hasard, tu lâches pas du mondinium là ou des trucs comme ça? Carrément. Putain, c'est bien ces petites machines quand même, les petites perceuses là. Ça gère ça, hein? Ouais, franchement, ça fait ton taf, hein. Ouais, carrément, t'arrives, tout. Tu les poses, tac. Le truc, il te prend de la ressource comme ça pour toi et tout. Ouais, mais attends. Avant de faire une perceuse, en plus, on en avait une perceuse. On en avait une. Mais comme je vous dis, on s'est fait péter la base et tout pendant que j'étais déco. Il y en a un, il a juste posé un pain de C4 sur un mur. Il est passé. Il a vidé mes deux armoires qu'on avait avec Happy et... C'est bon, il a tout pris quoi. Putain, c'est trop bien, j'ai pas froid là. Ah ouais, mais attends, t'as ta doudoune? Bah ouais. Ah yes, c'est cool ça. Eh bah c'est bon ça, t'es paré pour la neige. T'as des gants toi, Romain? Non, j'ai pas de gants non. T'as pas de gants? Non. Des minerais verts. Ça, on va en chercher. Non. Ouais, je crois qu'il faut des minerais verts, ouais. Normalement, des gants, c'est pas Glover, non? Ah, y'a un masque à gaz. Ouais. Combinaison anti-radiation aussi, t'as vu? Ah ouais. C'est bon ça quand même. Mais je trouve pas les gants là. Si, attends. Pas, c'est... Voilà. Ah, c'est là, ouais. Rubber glove. Ah ouais, il faut du verre. Faut du verre et de la ficelle solide aussi. Eh ben, 6 mondinium. Et de la ficelle solide, il faut quoi pour... Attends. Matériaux, ficelle solide. Ouais, il faut juste des os. Bah là, tu peux faire des gants avec ce que t'as là-dedans. T'as froid, toi? J'ai tout une rouge. Bah ouais, je suis à 4 minutes, là. Putain, qu'est-ce qu'il est frileux, celui-là, mon vieux? Bah moi, j'ai pas froid, moi. Mais il me manque quoi? Vas-y, j'ai... J'ai une grey winter jacket, un bonnet, des pompes. Ah, ça y est, je commence à avoir froid. Je sais, t'as quoi comme pantalon? Je commence à avoir froid, le même que toi. T'as un basic jeans? Ouais, basic pants. Ouais, basic pants, ouais. Ouais, mais c'est que ça fait froid par moment en fait. Ah, y'a un courant d'air là. Je l'ai vu là, non? Ah, la porte est ouverte. Bah, voilà. Elle est ouverte la porte. Voilà, j'ai. Ouais, regarde, ça fait froid un peu là. Il va se faire meilleur là. Non, attends, bouge pas, j'ai enlevé ça. Ouais, regarde, y'a du vent en fait. Putain, c'est quoi ces tempêtes de sable? Bah voilà, ou... c'est ce que je te disais la dernière fois. Fais voir comment que c'est fait. Attends, je vais aller voir comment que c'est fait, tempête de sable. Ah ouais. Non, c'est quoi? Et fais gaffe, moi j'avais chaud dedans, je sais pas pourquoi, mais je prenais chaud là-dedans. Bah moi, j'ai froid là. Attends, tempête de sable quoi. Eh, on a du mal à rentrer chez toi. Faut sauter un peu 3-4 fois. Ah, excellent, c'est bien foutu quand même. Je fais des munitions. Par contre, ça caille là. Donc, c'est quoi le programme? C'est excursion dans le désert ou excursion dans la neige? Désert des neiges, ouais, dans la neige. Ouais, dans la neige, ouais. C'est plus intéressant. Il y a des qu'on va découvrir. C'est tiens. Ce que j'aurais dit aussi, moi, dans la neige. Tiens, en plus, on est à côté. Balles. Je t'ai envoyé des balles, t'en as 60 là, regarde, près du truc. Mais il est pas là? Il est où? Jolat, tu t'as fait des balles. Ah, yes. Voilà, je t'en ai, il y en a 60 là-dedans. Yes, c'est cool. Bah ça m'en fait 90. Parce qu'en fait il va y avoir des lapins. Mais vraiment les lapins c'est mieux de les tirer avec les balles. Attends, ah ouais, je mets juste un peu de charbon là dedans parce que je paye un peu là. Ta doudoune elle est résistante à combien au froid? C'est 150, ouais, 120. 120, putain, ouais, moi 50. Moi 50 50 aussi. La grise.
Et donc pour la rouge c'est 120 résistance au froid, ouais c'est quand même pas mal. Attends, j'ai pris 100 balles, c'est bon. 200 balles plutôt. Attends. Oh putain, 200. J'ai un gros coup de chaleur là par contre. Moi, c'est oh, je vais enlever la doudoune. Vas-y, j'ai coupé le feu, de toute façon on a tout chaud là, c'est bon. Oh le coup de chaleur que j'ai pris mon vieux là. J'ai juste regardé mes plantes, je j'ai pris un coup de soleil mon vieux en 2 secondes là. Énorme. Oh t'as besoin de graines? Bah tiens, tu peux ramasser les fruits, chauffer, mais dans l'armoire s'il te plaît, ramasse les deux qui sont dehors. Ouais bah tiens, je te donne juste ça, on va mourir Jolette. On va mourir gelé nous. On va mourir gelé. Non mais ça va, on a la doudoune. Ça va le faire. Équipement, attends. J'y crois moi. Ouais, mais par contre, j'arrive pas à fermer ta porte là, tu vois. Je fais un petit truc d'encouragement là. Petite danse d'encouragement. Romain, ouais. t'as pas fait un autre totem par là là? Non, j'ai pas fait de totem. Mais bah si comment ça se fait que j'arrive pas à la fermer cette porte là? Bah parce que justement, tu t'es pas lié sur mon totem. Bah si. Ouais, moi aussi je me suis lié au totem. On s'est tous inscrits chez toi sans rien demander. Je me suis dit si un jour c'est la dèche, tu meurs. Ouais, voilà, bah je tu vois. Non, mec, t'as bien fait. Je me suis dit la même chose si c'est la dèche. T'as bien fait de me le dire, attends, bouge pas. Ouais. J'ai un autre totem là-dedans, faut le mettre en fait. Je me suis dit si c'est la dèche, pareil, je réapparaîtrai chez. Cache-Cache, quoi, normal. Inscrivez-vous sur ce totem aussi. Parce qu'en fait là, je suis hors limite. Heureusement que vous m'avez dit. Ah ouais, tu vois. N'importe qui pouvait ouvrir et fermer. Bah non, pas moi. Moi je pouvais pas non plus, non. Et je peux toujours pas l'ouvrir. Inscris-toi sur le totem. Tu pourras l'ouvrir. Y'a que toi en fait. Non, là tu pourras là. Yes, nickel. T'as pas des oranges? Il est blindé. Vas-y, il a une armoire, il y a que ça dedans. Moi tu l'aimes, tu veux quoi? Ah ouais. C'est pourquoi les oranges? Ah yes, bah pour manger. Disons que j'ai un peu faim quoi. T'es fou quoi? Tu manges des oranges? Ça sert pas à ça les oranges. Bah ça sert à quoi? C'est pour faire de... Ah ouais, tu fais de l'essence? Ouais. Ah ouais. Tu fais de l'essence pour t'as ça. Moi je les mange moi. Bouge pas, attends, j'ai fait un pantalon jaune. C'est que le pantalon bleu il sert à rien. Attends, en fait. Moi j'ai la dalle mon vieux. Putain mon gars, mais comme tu t'équipes. Oh, pantalon anti-radiation, c'est bon ça. Je vais faire le masque aussi. Bon les gars, vous êtes chauds? Attends juste, je fais fondre 3 trucs. Bah moi, je suis pas mal là. Oh, t'es stuffé là ou t'as vidé un peu tes trucs? De quoi je suis stuffé? J'ai vidé un peu mes trucs. Et toi, Jolat? Moi, franchement, là, j'ai rien vidé là. Ah mais moi, attends, vas-y, je vais vider par contre là. Oh, je vais te mettre de l'écorce. Moi aussi, je vais te mettre des trucs là. Je vais te mettre des tendons animaux et tout là. Non, mettez pas n'importe quoi les mecs. Tiens, mets l'écorce dessus. Non, les tendons, garde-les. Je garde les tendons, le cuir. Je te le mets ou pas? Le problème, c'est que moi, j'ai jamais rien envie de jeter, moi, tu vois. Ouais, moi aussi, je suis un peu un rapier. En fait, je suis un peu une pince, moi aussi, tu vois. C'est bon. Si vous vous êtes niqué, c'est votre maison aussi. On va faire un truc, tenez, on va se marier, regardez. Tiens, vitamine, tu vas ramasser tout ce que je vais te lancer. Vas-y, allez, vitamine. Tiens, regarde, vas-y, tiens, ramasse tout ce que je te lance. Allez, c'est bon. Faut que tu sois un peu plus loin, c'est pour ça. Nathan, c'est pas du tout. Je te mets du réfrigérant, faudra que je le récupère. Viens, ma distance. C'est quoi ça? Tu vois? C'est quoi? Allez, ça c'est pas pour toi ça Nathan, c'est pas pour toi, ça c'est pour lui. Tiens, ça c'est pour toi Nathan, ça maintenant. Tiens, à ton tour. Vas-y. 1, 2, 3, 4, 5. Vous avez 25 dynamiques. Yes, c'est ça. Oh, c'est bien ça. C'est bon ça. Vous avez, on va s'éclater. On est équipé là. T'essayes de la poser ici? On est refait de la tête aux pieds là. Tu peux la poser ici, ça fait rien. C'est vrai? Ouais, sérieux. Bah ouais, ça fait rien les dynamites en fait. Faire quelque chose à nous par contre. Ouais, voilà, ça peut nous tuer, mais par contre, pour les murs, c'est le C4 qu'il faut. Mais genre là, c'est pour faire quoi la dynamite? Péter les minerais. Bon, les mecs, je tiens à vous dire, regardez ma tête. Oh yeah. T'es bon là. C'est bon ça. Eh, tu peux aller fouiller dans les zones irradiées avec ça. Bah maintenant, c'est bon, j'ai tout l'équipement irradié. Ah ouais, par contre, il te manque une boule de ce côté là. Comment ça, une boule? Bah sur ton masque à gaz, t'as qu'une boule d'un côté, c'est... Putain, le mec, il jette un pantalon comme ça, quoi. C'est quoi son pantalon? Oh bah, basic paint. Les gars, c'est quand... Maintenant, si vous voulez, on peut y aller, maintenant. Attends, j'ai un peu très faim, là. Ah, moi aussi, j'ai très faim. T'as faim? On va prendre des oranges. T'es quoi? Prenez des oranges, en fait. Vas-y, on va prendre des oranges. Non, j'ai pas... On va prendre des... J'en mange. De toute façon, avec tout ce que t'as planté, c'est pas trop la dèche d'orange, là. Ouais, ça va, j'en prends... T'inquiète, j'en ai pris 2, c'est bon, j'ai assez. Putain, ah ouais, j'arrive pas à les prendre. Oh, j'en ai pris 1, 2, 3, j'en prends 4. J'en prends une aussi, prends-en 4, c'est bon. Ouais. Je regardais si on a fermé toutes les portes. Ferme les portes. Tu vois, il y a du minerai vert dedans, regardez dans les perceuses depuis qu'on est dedans. Ah yes, minerai vert, c'est bon ça, ouais. Merci. Oh, mais c'est trop le pire, perceuse.
Ouais, ouais. C'est stylé, ouais. Bon, les gars, on y va, quoi. Vas-y. Je crois qu'il va falloir qu'on envisage de déménager. T'as combien de minutes au niveau du froid, Val? Deux. Eh, mais là, franchement, c'est chaud, les gars, dans la neige. C'est trop chaud.